Et maintenant, on cuisine. Joyeux Noël, Brenda. Joyeux Noël, Cricket. Alors, je vais donc vous faire ma fameuse recette de punch de Noël, et ce malgré le fait que je n'en ai jamais fait, et que nous sommes au mois d'avril. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, voici les ingrédients dont vous aurez besoin. Un bol à punch, du jus de fruits, de l'alcool et de la gravité. Oh, la gravité était l'essentiel. Ah oui, la gravité est nécessaire, sinon le punch s'envole, et on est obligé de courir après avec le bol. Ah, oh, ça c'est intéressant. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, voici donc deux exemples de bols, et celui-ci est préférable à celui-là, car dans celui-ci, voyez-vous, le punch reste dedans, alors que dans celui-là, je sais pas, il y a comme un défaut de fabrication. Regardez, ça coule partout. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, vous mettez dans le bol à punch de l'alcool et du jus de fruits. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et vous mettez le punch au four à 350 durant 4 heures. Voilà le résultat. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Maintenant, si l'équipe technique veut venir goûter, ben, ils vont être déçus parce que je leur en donne pas. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À moi maintenant de vérifier l'équilibre parfait des parfums. Oh, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. J'ai pas de plaisir, là. Joyeux Noël. Joyeux Noël.